Parlons également des activités d'une délégation soudanaise chargée du développement industriel et du commerce qui séjourne dans notre pays. La délégation a rencontré ce matin les responsables tchadiens de ces deux secteurs. Ensemble, ils statuent sur les difficultés de la mise en œuvre des accords et conventions de coopération économique et commerciale entre les deux pays. On en parle avec Adnouba Théophile. Liés par l'histoire et la géographie, le Tchad et le Soudan entretiennent des relations de coopération séculaire. Pour renforcer davantage les relations commerciales, des accords et des conventions ont été signés par les responsables en charge du commerce et de l'industrie. Ceci grâce à la volonté des chefs d'État Idriss Déby Itno et Omar Hassan Ahmad El-Béchir. L'ambassadeur du Soudan au Tchad, Abdelaziz Hassan Saleh, de préciser que les deux chefs d'État, Omar Hassan Ahmad El-Béchir et Idriss Déby Itno, ont toujours exprimé leur volonté de faire du Soudan et du Tchad un espace d'échanges commerciaux au bénéfice de leurs deux peuples. De ce fait, ils demandent aux participants de donner le meilleur d'eux pour ne pas trahir cette volonté qui anime les deux hommes. Avis partagé par le secrétaire général du ministère du développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé. Je suis persuadé que ces échanges feront éclairer et renforcer davantage nos liens de coopération économique et commerciale. Tahir Mourno Adam d'ajouter que le passage du Soudan à l'Organisation mondiale de commerce OMC en qualité de pays membre est à saluer. Cette adhésion constitue un outil nécessaire pour la facilitation davantage des échanges commerciaux entre le Tchad et le Soudan.